Hey, salut à tous et à tous les amis, c'est Nanik. On se retrouve pour l'épisode numéro 5 du Let's Play sur Far Cry 4. Pour là là, Far Cry Primal, pardon, excusez-moi. Je suis totalement embrouillé. Alors, j'ai laissé le petit résumé. Bon, il a dit la même chose que la dernière fois. Alors, nous, ce qu'on avait fait, on avait rencontré Wogle, le fabricant. Je crois que c'est ça. Oui, ça se dit comme ça. Voilà. Donc on se retrouve directement après. Donc par contre, je sais pas pourquoi je suis ici, j'aurais dû être là-bas normalement. Donc en fait, on était sur le point d'aller chercher les pierres de Sandoros. Apparemment, ce sont des pierres. Okay. Epic fail. Ce sont des pierres assez solides pour fabriquer couteaux et autres armes intéressantes. Dès qu'on va aller chercher ça, on va aller se rendre un petit point. On va prendre ça. Voilà. Alors. Ouh, un lion, un lion, un lion. Est-ce que je peux l'apprivoiser, tu crois? On peut apprivoiser cette bête. Pourquoi il a pas été attiré? Je comprends pas là. Pourquoi je peux l'apprivoiser? Attends. Compétences. Lion des cavernes. Si je pourrais pourtant. C'est très bizarre ça. Attends. Ah c'est. On ira voir quelle bête est la mieux et je vais garder. Je vais garder la mieux. En tout cas, une très très belle bête, ça c'est clair. Alors, fais voir. Donc on a le jaguar et le lion. Donc il a un peu plus de 2 forces et 4 de vitesse, 3 et 3, 3 en discrétion et 5 en discrétion. Donc c'est que lui attaque des cibles non alertées sans alarmer les ennemis des environs. Marque les ennemis à proximité. Oui, ça on va prendre. Ça c'est super. Oula, je l'ai envoyé. Excusez-moi. Je vais le rappeler. Voilà, viens là. Qu'est-ce que tu fais? Ok, ok, pas grave. C'est pas grave. Voilà, nouvelle petite bête. On va se soigner tout de suite. Ah oui, il nous a marqué directement. Ça, c'est pratique, ça. Tellement pratique. Et voilà. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est le travail d'équipe, ça, mon gars. Alors. On va tous les fouiller, voilà. On va se prendre la petite sagaie. On va enflammer. Trompette touche. Voilà. On va éteindre ça pour pas la perdre. Alors donc là on va examiner. Et puis, c'est pas là. Voilà. Voilà, Sandro, ça y est, donc là, découvrez ce qui scintille. Là on va y aller. On va y aller directement. Ça c'est des yaks. Ça c'est un yak blanc, j'ai l'impression. On va demander de le chasser. Je pense pas que j'ai besoin de tellement de peau de yak, mais ça peut quand même être vachement utile la peau de yak. Donc là c'est un yak rare, donc on va se priver. Allez, tue-le. Je pense qu'il y a plus beaucoup de vie. De toute façon c'est par là qu'il faut qu'on aille, donc... Où c'est? Il est sauté dessus. Ouais, il est en train de l'abattre. C'est bien fichu ces animations là, moi j'adore ça. J'ai l'air ces animations, ça me plaît vachement. Alors, on va soigner ça. Ouais, c'est un yak rare. Ça c'est cool. Alors. Où est-ce qui scintille? On va se faire une petite chèvre. Voilà. Un petit peu dans le cul. Faut l'avouer. Faut l'avouer. Alors, ah bah on a le... Attends. On va se barrer. Il fait mal en plus, ce salaud. On va se soigner. Qu'est-ce qu'il est? On est reparti. C'est pas grave. Alors, on va utiliser... le grappin.
Mais comme je vous disais, ça nous évite de faire tout le tour, de perdre du temps, faire des bêtises. Alors. Allez, meurs. Tu sers à rien. On va quand même te dépecer, on sait jamais. Une fois qu'on a besoin de quelque chose. Ah, attends, on va se prendre l'arc. Ah, c'est ça le sort de route. D'accord. Donc, apparemment, il y a déjà du monde ici. Hein. Apparemment, il y a un petit peu de monde. Je sais pas trop par où on va passer. Ok. Lui, il est mort. Toi, c'était mort. Attention, où est-ce qu'il est? Je pense qu'il y en a un en bas. Touché. Il est. Je ne le vois pas. On va prendre notre sagaie. On va essayer de descendre. Sans trop se péter la gueule. Ok. C'est pas grave, on n'est pas mort. Enfin, pas encore. Allez, on va récupérer la sagaie. Voilà. Ok. Attends. Se refaire. Voilà. Alors. Apparemment, on a le lion qui est en train de se péter quelqu'un là-haut. C'est plutôt bien. Alors. Toi, tu meurs. La sagaie, c'est super redoutable quand même. C'est super redoutable. Ah voilà, c'est ça qu'on cherchait. Le sang d'ours. Il faut apparemment tout ramasser. Ce qui est dans le coin. Donc on sait ce qu'on va faire. Voilà. La bête. Reste en haut. On va la soigner après. Parce que. J'ai pas trop envie qu'elle meure. Honnêtement, ça me ferait chier. Ça me ferait chier. Prendre les liens par là. On a encore 3 pierres à trouver, je crois. J'ai encore une là, apparemment. Voilà. Il nous reste. Encore une, encore une. Où est-ce qu'elle peut être? Celle-là, on l'a prise. Ah, elle est dans la flotte. Je m'en doutais un petit peu. Honnêtement, je m'en doutais un petit peu, mais bon, ça, voilà, c'est pas très. Là, hop. On plonge. Ah, elle doit être par là. Ouais. Ah, bah non, c'est une main d'Aïcha. Ouais, elle est là aussi. Voilà, Woga a rejoint le village. C'est cool, ça nous en fait un de plus. Super. Là, on a terminé sa quête à lui. Donc, ça, c'est cool. Du coup, ça fait qu'on a un membre de plus, un spécialiste de plus au village. C'est toujours sympathique. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va retourner au village immédiatement. Notre village, voilà. On va retourner, on va aller voir ce qu'on peut faire au village. J'en profite pour aller fouiller un petit peu la cache de récompense, voir si on a eu quelque chose. Alors, de la viande, la fée verte, d'accord. On va prendre du bois, on n'a plus rien en bois. On prend du silex, des peaux de bête, si on n'a pas besoin. On prend alors ça, on peut prendre des roseaux aussi. Tout ce que je peux, je prends tout ce qui est pierre. Alors, ah, du cerf blanc, ça c'est classe. Et blanc, on a grand aile roux, ça c'est bien, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut là? De la peau de blaireau, ok. Ça, on l'a pas encore. Alors, ce qu'on va faire, on va aller faire une quête de Tensai le chaman. Ça fait longtemps qu'on n'est plus allé le voir, donc on va aller le voir. Je t'ai regardé dans. Village, je peux rien faire. Ah, donc confection, je peux faire quelque chose. Fais voir. Ma piquant. Ah, il manque encore un cèdre du nord et je pourrais l'améliorer. Ça, il manque de l'érable du sud. Tout qui est dans le sud là. Ok. Ceinture à sagaie, ça c'est bien ça. Ceinture à gourdin, super. Couteau de pierre. Ça c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on pourra fabriquer des couteaux de lancer. Ça c'est cool. Couteau de lancer, ça c'est super bien. On a des points de compétences, on a 5 points de compétences, c'est énorme.
Tigre dans le sabre et ours grand. Ouais. On va se le prendre directement. Jeu de récupération, c'est pas trop grave. Fouille automatiquement une cible. Ouais. Ah, ce sprint de guérisseur, ça c'est bien. Course accroupie, ça c'est classe aussi. Voilà. On va dépenser tous les points de compétence. C'est plutôt bien. Pour lui, qu'est-ce qu'il faut? Pas encore tout ce qu'il faut. Hein. Donc c'est parti, on va se lancer cette petite quête. On va voir ce qui nous attend. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus ça, tiens. Bon, c'est assez dégueulasse. Ah, c'est un peu dégueu quand même. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. Donc on va encore avoir droit à une vision. Voilà, alors où est-ce qu'on se retrouve cette fois? On va bien voir. Et c'est la vision de glace. Ok. Alors. Trouver la statue de la femme de pierre. De la femme pierre, pardon. Bon, on va s'approcher, hein. On va attendre un petit peu. Ouais, t'es toi maintenant. Donc apparemment, on l'a touché. Est-ce que je comprends? Ok, donc on a un gourdin super badass. On va voir ce qu'on va en faire. Trouver la statue de la femme de pierre. Oh, vache, ça c'est de la force. Ça c'est l'efficacité. Sans aucun doute. Voilà. Comment on les enchaîne ça. Assez violent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Cassons deux, mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, toi on va te tuer. C'est des gros, on va faire tout pour mourir quand même. On pourrait juste se faire encercler, j'ai l'impression. Bon, ça va, on s'en sort bien. Allez, suivez la statue de la femme de pierre. Apparemment on l'a trouvé, on va la suivre. On va la suivre. Checkpoint. Alors. À chaque fois qu'on s'approche, elle s'en va. On va esquiver ça. Ouais. Elle a pris un peu de dégâts, c'est pas très très grave. Attention, on l'a pas respecté celui-là. On l'a pas respecté. Allez, on s'approche encore une fois. Elle recule encore et toujours. Ça, c'est celui-là en haut. Voilà. Ça, ça dégage. Allez, viens là. Ok. Checkpoint. Oula, attention. Stopper l'assaut ou dame. Ok, donc là apparemment ça va être du fight. Ça va être du fight. Ça va pas être hyper dur, j'ai l'impression. On le fait s'envoler assez facilement, j'ai l'impression. Ça va pas forcément être hyper dur. Attention à ceux là-haut. Là j'ai un gros là. Voilà. Attention. Voilà. C'est tout. Pas encore fini.
on perd pas énormément de vie, donc voilà. Excusez la statue. Et boum, mon gars. Ok. Super. C'est terminé. Ça, c'est des quêtes vite faites, quoi. C'est rapide. Donc ça, c'est classe. Donc pas trop difficile. Apparemment, on perdait pas tellement de vie. C'est assez simple. Assez facile. Ça y est, on se réveille. Voilà. Ouais, c'est un peu normal, j'ai envie de te dire. T'as pu y toucher ça, quoi. Non mais. C'est un peu un sale, quoi. Ok, donc on voit une vision de plus, on a vu quelque chose d'autre, c'était vachement sympa. Alors, combien de temps il nous reste Oups là, excusez-moi. Il nous reste environ un peu plus de 10 minutes. Pourquoi il m'ouvre la carte lui? Ah, ok. Donc, apparemment, on peut aller par là. On va pas y aller tout de suite. On va pas y aller tout de suite. Ce que moi j'aimerais maintenant, c'est m'apprivoiser un tigre à dents de sabre. Ça serait super. Ça serait super, mais ça va peut-être pas être pour tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire comme quête? On va aller voir ce que. On va aller voir Syla, je pense. On va aller la voir. Qu'est-ce qu'elle veut? Ok, donc là apparemment il faut retrouver un chasseur qui s'est perdu. Donc apparemment, c'est là-haut. C'est là l'accueilleuse, ouais. Donc on va aller voir ce qui se passe là-haut. C'est à 1700 mètres, c'est quand même vachement loin. On va se refaire une sagaie. J'ai pas assez de trucs. Ok, c'est pas grave. De toute façon, la peau de bête, on peut la trouver. On peut la trouver assez facilement par ici. C'est pas trop un problème. La bête qui arrive. On pourra nous défendre si jamais. C'est quand même à 1600 mètres, ça va faire un peu loin. Et est-ce que c'est une compétence? Alors je ne sais pas, je sais qu'on peut avoir des montures. Mais je ne sais pas si on peut monter les lions, je pense pas. Ok, on va se faire une chèvre. Tout de suite, voilà, comme ça on aura la peau de bête qui nous manquait pour faire. Ah, ça m'a filé qu'une seule peau de bête. C'est pas très très grave, le lion, il est où le lion? Là. Où tu es? Ah, voilà. T'es le mec qui galère, quoi. Allez, on va te soigner. Et je ne vais pas te monter. Ah, c'est con. C'est con, c'est con, c'est con. Parce que c'est quand même vachement loin. C'est quand même vachement loin. Ouais, c'est pas grave, hein. On va profiter du paysage. Je ne le couperai pas au montage, ça c'est sûr. Parce que de toute façon... Ceux qui veulent le voir vont le regarder, et puis ceux qui ne veulent pas pourront le passer. Si vraiment ça les dérange, pourront passer. Mais bon, j'aime bien le décor préhistorique, je trouve ça vachement sympa. Donc si on peut en profiter un petit peu, c'est cool aussi. Sinon ça va assez vite, il y a beaucoup de rebondissements généraux entre les tribus ennemies, les alliés qui chassent. Enfin, il y a quand même beaucoup d'animation, je trouve. Attention au doule là. Attends, je vais essayer de le. Oh, je l'ai eu. Ça, c'était beau, ça. En plus, c'est un rare. Ça, c'est classe. Allez, chasse. Allez, petit lion. Enfin, petit. Ça, c'était torché. Du coup, on aura une peau de bête et de la peau de doule. En plus, ça peut toujours servir. Et voilà. On a à nouveau nos 3 sagaies. Okay, 1200 mètres.
On fasse un sanglier. On va se buter. Merde. Le mec, il a une sagaie dans le corps, mais le mec, il court, quoi. Voilà. On va faire un petit peu mon stock de peau de bête. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ok, 1200 mètres. Je pense qu'on va arriver. On va se faire des petits bois. Allez. J'ai eu peur. En fait, quand mon lion il fait des grognements, j'ai peur que c'est un autre lion en fait. J'ai peur que je me fasse agresser à chaque fois. C'est quoi là? Voilà, ouais, on s'en fout. Attention par ici. On va prendre le grappin. On va pas prendre de risques. Par contre, je peux y aller sans grappin. Pas de soucis. Attention par là. Je peux pas descendre là. On va utiliser le grappin, on va pas prendre de risques. De risques inutiles, risquer de mourir pour rien. Ce serait un peu ballot. Les cerfs, je m'en fiche un petit peu. Ok. Attention, c'est des oudames ça. Violent celui-là. C'est pas moi qu'il faut attaquer, mon gars. C'est les deux là. Allez, tu meurs. Heureusement que les lions m'aident. Toi, tu meurs aussi. Ok. Un petit fight, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Bon, c'était pas un agressif. Donc c'est pas très grave. Pas de grappin, c'est con ça. J'aurais bien utilisé le grappin. Excusez-moi. On va se prendre la sagu au cas où. Je peux en faire une, non. Je peux pas. Je peux pas. On va se prendre de l'ardoise. Ah, on arrive là où on avait trouvé Tensai. On était venu le chercher. Quand même vachement d'ennemis. Allez hop, ça meurt. Il y a quand même beaucoup d'ennemis, je trouve. Bon, allez, c'est pas grave, on continue. On continue la route. Attention, pas mourir. Les lianes, on s'en fiche. Allez hop. Ouh, il y a un ours là. Ça, c'est un ours. Attends, reviens. Ouais, ouf, la vache, en plus c'est un ours des cavernes, ça. C'est hyper gros. C'est hyper puissant. J'ai pas l'air qu'il faut oser. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas l'air qu'il faut oser? Il est encore vivant. Merde. Oh punaise. Attends, on va réanimer la bête. Alors, reviens-toi. Ok, on l'a eu. Oh la vache. Putain, je pensais que je pouvais la prévaser. Ah, mais peut-être pas les ours des cavernes. Attends. Ah ouais, ours brun, l'ours des cavernes, c'est... Après. Ah merde, je pensais pouvoir l'apprivoiser. C'est pas grave, hein, du coup on s'est fait une petite peau d'ours des cavernes. Quand même failli se faire tuer, enfin. Du coup là, on peut... Ça c'est des couteaux de lancer. Couteaux de lancer, grâce à Monsieur Woga, le fabricant. Et ça c'est sympa, on va se décrocher ça. Paf. De la viande. On les ruche. Ça, c'est des bombes à piquant, ça. On va s'en servir aussi pour voir que ça donne.
Ouais, celui-là, on s'en fiche. On n'a pas le time. L'effet verte. Ça peut servir. Même si je pense pas en avoir besoin tout de suite là. De toute façon, j'ai la cache qui est pleine. Donc on s'en fout un petit peu. Ok, 500 mètres, on approche. Ça y est. On approche enfin de l'objectif. On a quand même survécu à l'attaque douce des cavernes. Heureusement qu'il y avait le lion avec nous parce que là on serait mort. Et heureusement que j'avais de la viande parce que sinon. Sinon c'était fichu. Sinon c'était fichu. Allez, voilà. On descend. Oula. On vient de faire un super jump. C'était un peu sale. Ah bah on arrive là, c'est cool. On arrive, 300 mètres. J'ai l'impression que ça va être plus en bas. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais il va falloir descendre à mon avis. Ah, ça c'est une quête pour les ninjas. On va pas la faire maintenant. On va rester concentré sur l'objectif. Bon, celui-là on les chasse pas, on va les laisser tranquilles. Ça par contre. Alors ça. Alors ça c'est une opportunité de dingue. Alors là les gars, un cerf blanc qui s'approche, il a la tête, je le tue, super. L'étude des cerfs blancs, je mets 3 heures de jeu pour en trouver un et le chasser. Parce qu'à chaque fois il se barre et j'arrive pas à le prendre. Mais cette fois, ça s'est bien passé. Et ça c'est la classe. Ok, on arrive, ça c'est bien. Voilà, faut aller à la grotte. Et la grotte, elle est où? Du coup. Ah, faut appuyer sur V, d'accord. Faut trouver le chasseur ninja qui s'est perdu. Ça, c'est mon alarme qui sonne. Ça veut dire qu'on est à 27 minutes de vidéo. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même terminer la quête. On va pas couper là en plein milieu. Ah oui, donc là, il y a le froid qui rentre en compte. Donc, j'ai pas besoin en hiver. Par contre, on peut mourir de froid. On peut en mourir, donc faut faire attention. Et comme j'ai pas de besoin pour l'hiver, il faut que je trouve un feu pour me réchauffer de temps en temps, puisque ma barre là de froid diminue. Et donc il faut que je trouve de quoi me réchauffer, sinon je vais mourir de froid, tout simplement. C'est par là au moins. Parce que j'ai un doute là. Ok, c'était là, pardon. C'était là. Ouais, c'est de pas crever de froid, ce serait bien. La grotte aux ossements, ok. Voilà, attention à ce qu'il y a là-dedans, parce que je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Ouh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un truc en tout cas. Quoi, je sais pas, mais il y a un truc. Allez, on est caverne, attention, attention. On va le buter. Il est un peu bugué visiblement, il bouge pas trop. C'est bon. Allez, un en moins, ça c'est cool. Alors, faire quoi maintenant? Faut aller chercher ce petit chasseur disparu là. Où c'est qu'il est? Ah mais là c'est de là où on vient. Oh là là. C'est de là où on vient. Attends, une trace de pas par là. Il y en a encore un. Possible ça. Ouais, la vaisselle va se charger. Nous on va chercher le petit monsieur. Ah, attendez, trace de pas qui monte. Je pense qu'on n'est pas très loin de lui. Ah, il est là. Putain, je l'ai pas vu quoi. Aidez-moi, tenez des plantes médicinales au chasseur. Ok. Heureusement qu'on avait des feuilles vertes sur nous, hein, vous voyez, ça peut toujours servir. Autre tigre. Ok, tuer les bêtes à la tanière. Il est en train de mourir mon tigre. Ok, on va essayer de l'achever. Il s'en va quoi. Oh, c'est un tigre à dents de sabre. C'est un tigre à dents de sabre. C'est chaud. Très très chaud.
On va se mettre un courant. On va le soigner. Oh la vache, mais comment je vais faire? Je peux enflammer le courant ou pas? Oh la vache, c'est chaud! C'est chaud de ouf là. On la suit? Oh la vache, c'est tendu là. Heureusement qu'on a le feu pour les donner un petit peu parce que. On a mis quelques coups mais. On l'a vu se rouler par terre, c'était super bien fait. C'était super joli. Il est en train de s'enfuir là. Ou il y en a un qui est mort là. Il y en a un qui est mort. Attendez, on va immédiatement soigner la bête. Voilà. Il y en a un qui est mort, je sais pas où, j'ai entendu. Je pense que vous aussi. Alors lui, on peut plus lui parler. Ok. Putain, il y en a un qui est mort. Mais alors, où il est mort, ça je sais pas. Apparemment, c'est pas lui. Fouille un petit peu. De la viande. Il y a beaucoup de trucs à fouiller par là, ça c'est bien ça. Des feuilles vertes. Mais il est pas mort le salaud. Il se roule par terre. Où il est? Ah du coup j'ai enflé mon tigre aussi. Ça c'est pas cool par contre. C'est pas cool du tout. Mais est-ce que tu vas mourir à un moment donné ou pas? Ok, il est mort. Oh la vache. Voilà, peau de dent de sabre. C'est pas la classe ça? Voilà. Je reviens plus tard. Ok, super. La grotte tout doucement terminée. Ça c'est cool. Voilà. Donc la petite bête, c'est bien. T'as bien travaillé. Et voilà, on a terminé la quête. Super. Donc le chasseur va revenir au village. On a encore secouru un village de plus. On va juste atteindre ça. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser ici. On va se laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, c'était un petit peu plus long que d'habitude, mais bon, je pense pas que ce soit. Qu'est-ce que je fais là? Je pense pas que ce soit extrêmement grave. Enfin, en tout cas, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.